Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 25 juillet. Aimer son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Lisons Luc 10, les versets 25 à 37. Quel est le message ici concernant l'aide à apporter à ceux qui sont dans le besoin? Luc 10, les versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. » Verset 35. « Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à Lot et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Le spécialiste de la loi comprenait que tous les commandements tournent autour du fait d'aimer Dieu avec tout ce qu'on a et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais une question demeurait sans réponse. Qui est mon prochain? Étant donné que du temps du Christ, l'idée dominante était de privilégier ses compatriotes en considérant tous les autres comme des étrangers, ce spécialiste de la loi voulait que Jésus clarifie cette question. La parabole que Jésus raconte révèle une perspective totalement différente. Notre prochain, c'est toute personne que nous croisons et qui est dans le besoin. Le prêtre et le lévite s'inquiétaient davantage de préserver leur personne et leur devoir sacré de la souillure. Ou comment se servir de la religion comme excuse pour ne pas mourir à soi-même en aidant quelqu'un qui, vraisemblablement, ne pourrait jamais s'acquitter de sa dette. A contrario, le Samaritain a vu cet étranger et cet ennemi comme son prochain en pourvoyant avec miséricorde à ses besoins au lieu de penser aux siens. En réalité, l'idée, c'est qu'au lieu de demander qui est mon prochain, nous devons nous demander qui sera un prochain pour les opprimés. Peu importe qui est la personne concernée, celui qui est dans le besoin, voilà celui-là même que nous devons aider. Point. Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il est le créateur de l'humanité entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation. Il a ouvert les différents compartiments du temple afin que chacun accède librement auprès de Dieu. Son amour est si vaste, si complet, si profond qu'il pénètre partout. Quel préjugé vous empêche peut-être d'être le prochain que vous devez être? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelles pratiques traditionnelles et culturelles entravent vos efforts pour évangéliser efficacement votre communauté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.